Alors, le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est comment s'approprier une gamme, un mode, voire une mélodie en se servant de l'impro. Alors, donc, on va partir sur une gamme majeure, un truc assez basique, mais qui est évidemment déclinable à outrance selon la difficulté de ce qu'on veut faire. Et donc, on a un paramètre imposé qui est je ne joue que les 7 notes de la gamme majeure ou pitchées à l'octave en fonction du niveau qu'on a, de ce qu'on a envie de découvrir sur l'instrument. C'est important, donc je répète, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais je le répète maintenant, c'est important de quand on travaille quelque chose, ou bien pour se perfectionner, ou bien carrément pour se l'approprier parce que c'est quelque chose de nouveau, c'est hyper important de fractionner des difficultés. Et donc de ne pas être en train de travailler tout en même temps, c'est-à-dire surtout sur un instrument comme ça, on est hyper focalisé sur la justesse. Donc, de ne pas travailler en même temps la justesse, et puis en même temps le rythme, et puis en même temps les doigtés, et puis en même temps tout ça, et puis en même temps tout ça. C'est beaucoup trop d'un coup. Donc là, je prends... Quoi? Je vais prendre une gamme, la gamme de sol majeur, je l'isole, je connais son doigté par cœur. Et je vais travailler la gamme de sol majeur, de ce sol-là à ce sol-là. Donc en bitus d'une octave, pas plus. Je pourrais travailler sur 2 octaves, mais là, pour le propos de cette vidéo, je ne vais pas aller plus loin parce que vous allez voir, c'est pas non plus, il n'y en a pas non plus besoin de passer 3 plombes sur le truc. Donc j'ai mes 7 notes de la gamme, 8 avec l'octave. Ce sont les seules notes que je vais utiliser. Je vais faire évoluer un... Donc je vais utiliser toujours le même doigté. Et le seul paramètre, là en l'occurrence, que je vais me permettre de faire évoluer, c'est le paramètre rythmique. En gros, il y a 4 paramètres qui expriment la chose musicale, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle le pitch, grave, aigu, l'ambitus utilisé donc. Il y a le paramètre du rythme, alors évidemment rapide, lent, mais aussi l'utilisation de rondes, de croches, de double croches, de triolets, etc. Ça, c'est la deuxième boîte, le deuxième outil qu'on a dans notre boîte à outils. Il y a le paramètre des dynamiques. Est-ce que je joue pianissimo, forte, fortissimo, etc., etc. Et comment je fais varier ça? Et il y a le paramètre des timbres. À la contrebasse, souvent, on a quand même, on va dire, on a 2 timbres essentiels, qui est le timbre de quand j'argougne et le timbre de quand je joue à l'archet. Évidemment, avec l'argougne et avec l'archet, on peut utiliser plein de timbres différents. Mais on va dire que pour le moment, pour simplifier la chose, il y a 2 timbres à la contrebasse essentiels. Donc là, je vais mettre, pour cet exercice-là, je vais mettre de côté le registre des timbres, je vais mettre de côté le registre des dynamiques. Je ne vais m'occuper que du registre du pitch, qui est prédéfini, okay, qui est de là à là, en passant par la Lorraine. Et je vais faire évoluer par contre la chose rythmique. Donc là, je vous répète, le but c'est comment m'approprier une gamme, comment m'approprier une séquence mélodique connue, répertoriée, travaillée de manière un petit peu mécanique pour se l'approprier en utilisant l'impro. Déjà, je vérifie que je connais ma gamme et que je connais bien le doigté. Donc je vais commencer avec un sol avec le majeur. Comme ça, j'ai toute la gamme à l'intérieur de la main sans avoir besoin de faire de démanché. J'utilise les cordes à vide dès qu'il y en a une. Je suis une grosse flemmarde. Je monte et je descends. J'ai ça sous la main. J'utilise l'impro, donc là, je vais utiliser toujours ces mêmes notes et je vais faire varier uniquement le paramètre rythmique. Donc j'ai le droit de faire des durées différentes pour chaque note et j'ai le droit de faire des répétitions de chaque note en croche, en triolet, etc. On peut imaginer donc que j'ai une espèce de pulse sous-jacente, mais là non, on va dire que c'est du rubato. Et toujours, je me mets dans la situation, dans la position, je suis un musicien sur scène et je dois produire
une œuvre. Je fais l'intro d'un morceau. Ça permet de se mettre dans une condition où on n'est pas que dans l'auto-observation de ce qu'on est en train de faire avec éventuellement flagellation à la clé, etc., etc. Non, là, y a une question d'urgence. Je n'ai pas le droit de me tromper. Mais par contre, ce qui est vachement bien, c'est que comme je fais une intro rubato, les gens, ils ne sont pas censés savoir ce que je vais jouer. Je suis complètement libre de la production de ce que je vais faire. Donc, là où je vais me dire parfois, putain, c'est nul, j'aurais pas dû faire ça, le public, lui, il sait pas, hein. Il n'y a pas d'œuvre écrite, il n'y a pas de référent existant, c'est une impro. Donc, j'ai le droit de faire tout ce que je veux. Le fait de prendre son temps quand on fait ça, de faire des notes longues, ça permet de cogiter un petit peu à qu'est-ce que je vais jouer la note d'après. Le fait de prendre son temps, parce que quand même, bon, je suis au courant que je ne suis pas sur scène, je suis chez moi et je fais un exercice, ça permet aussi de calculer un petit peu plus ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire ne pas faire simplement que bouger les doigts de manière automatique, mais de me dire, par exemple, je suis en gamme de sol, donc par exemple là, si je fais un mi, c'est quoi? C'est la sixte majeure. Si je fais ça, c'est quoi? C'est un fa dièse. C'est quoi? C'est la septième majeure. Puis là, je fais un sol grave. Et je goûte la saveur d'une septième majeure. Je fais toujours mon sol grave. Je goûte la saveur d'une sixte majeure. Et là, j'ai le début de mon intro, que je peux refaire. J'ai le droit de le refaire. Je répète que le truc, c'est s'approprier une gamme à l'aide de l'improvisation. Paramètres rythmiques. Etc. On peut faire ça pareil sur une mélodie. Par exemple, là, j'ai I Fall in Love Too Easily, version tirée d'un Reel Book, un New Reel Book, ça doit être le New Reel Book 2. J'ai pas le numéro de page, il est effacé, donc c'est un morceau en mi bémol. La mélodie, je l'ai travaillée. Ça veut dire quoi, je l'ai travaillée? C'est-à-dire que je sais la chanter avec, en battant la mesure. Hyper important, toujours, je dois savoir chanter les trucs que je joue. Maryse, sais-tu chanter tout ce que tu joues? Les mélodies des morceaux, je sais les chanter en battant les mesures. Je ne sais pas chanter absolument tout le mouvement des fondamentales des grilles que je joue. Je ne suis pas autonome à ce point-là, sur ce truc-là, mais globalement, je sais quand même chanter les trucs, quoi. Je travaille certains standards. La prochaine vidéo, c'est comment s'approprier une grille. Comment s'approprier une grille. Voilà, tout simplement. Donc là, je suis sur I Fall in Love Too Easily et je veux m'approprier la mélodie. Pareil, je me mets dans un contexte, je fais l'intro du morceau, je suis en rubato. J'ai déjà travaillé la mélodie de manière mécanique, je connais mes doigtés. Okay, je sais aller d'un point à un autre. Le problème avec la contrebasse, c'est, comme diraient les Américains, connecting dots, aller d'un point à un autre. Il n'y a rien marqué là-dessus. Pardon, trois bémols à la clé. Je prends tout le temps que je veux. De petits glissandi pour approcher la justesse tranquillou. J'arrive sur un si bémol. Je suis en intro, j'ai le droit de vérifier la justesse du si bémol avec la petite harmonique ou bien avec un mi grave. Les gens vont se dire, waouh, réharmonisation, génial. Thank you.
Si je faisais varier un autre paramètre, j'ai la mélodie. Je suis toujours en impro, j'ai la mélodie. Là, maintenant, je me dis, tiens, je vais faire varier un deuxième paramètre. Je garde la variation de mon paramètre rythmique. Je peux faire durer des notes un peu plus longtemps, je peux répéter des trucs. Et je vais faire varier un petit peu le paramètre pitch, pour ceux qui ont la compétence sur l'instrument. J'arrive sur un sol, je le fais sonner à l'octave. J'ai pas de mi bémol.